il y avait une sorte de passerelle pour nous diriger vers la porte de la chambre. Je n'avais pas d'amis à l'époque. Dans mon école catholique, personne ne savait ce que j'endurais, et il était le seul à avoir vécu la même chose et à me tendre la main pour que je ne me sente pas seul. Quand je suis revenu, j'avais 17 ans. Je n'ai plus dormi dans son lit. Je me couchais toujours dans les pièces d'accueil, car je voulais davantage de vie privée. C'est facile de dire que notre relation était bizarre, mais elle ne l'était pas parce que pour moi, notre amitié avait du sens. Nous étions simplement amis, c'est tout.